Nous sommes toujours avec les professionnels au bois de l'immobilier, justement pour parler du secteur, notamment de l'achat, de la vente ou de la location. Nous accueillons sur le plateau Olivia Martinez, manager et associée de Justimo. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous un petit peu de votre agence. Alors, notre agence Justimo est implantée 4 avenue Pierre Brossolette à Troyes. C'est une agence qui a fêté ses 10 ans. Et c'est une agence qui a un service transaction et un service location. Voilà, et qui est une agence à taille humaine, une petite dizaine de salariés qui travaillent depuis 10 ans pour parfaire les projets de nos clients. Alors, avec l'expérience et le professionnalisme que vous avez, quelle est votre vision aujourd'hui du marché de l'immobilier ? Alors, après quelques années très bénéfiques, là, on a une année un petit peu plus tranquille, si je puis dire. De nombreux acquéreurs sont présents et on le voit au salon aujourd'hui, voilà, avec un peu de flux sur le samedi. Donc, de nombreux acquéreurs qui viennent nous solliciter pour trouver leurs biens ou investir. La particularité, c'est que nous avons moins de mandats. On a fait beaucoup de ventes ces dernières années, donc beaucoup moins de choses à proposer. Et donc, du coup, sur un marché un peu plus compliqué. Du coup. Alors, justement, la question est de savoir, est-ce que les hautbois achètent toujours ? Oui, les hautbois achètent toujours. Ils sont toujours nombreux à venir nous solliciter. Je pense que ça fait partie d'un projet de vie d'acheter un appartement puis une maison, que ce soit pour leur résidence principale ou pour de l'investissement. On a des acquéreurs qui sont de plus en plus jeunes, surtout, qui nous sollicitent 20 ans, 22 ans. Dès qu'ils ont un CDI, ils veulent acheter quelque chose parce que ça assoit, ça concrétise un peu un projet et ce n'est pas de l'argent perdu. Alors justement, quel est le type de bien le plus demandé ? Est-ce que c'est la maison ? Est-ce que c'est l'appartement ? Je pense qu'on a tous un peu en ce moment, notamment un profil type et un bien idéal type. Ça représente quoi précisément ? Alors, il y a quelques mois, c'était systématiquement un bien présentant un extérieur. Néanmoins, on n'a pas tous des extérieurs sur tous les biens. La majeure des biens est demandé sur des maisons, 2-3 pièces avec un petit jardin, 180 000 euros en moyenne, en budget moyen. Voilà, c'est principalement ce bien-là, de cette maison qui est demandé. Après, les appartements restent toujours demandés, même avec un extérieur. Quels sont les critères finalement de décision ? Comment on voit qu'on est prêt ou qu'un particulier est prêt à passer à l'acte ? Qu'est-ce qui le motive pour passer à l'acte justement ? Ce qui le motive, c'est le fait d'avoir un travail qui est régulier, le fait d'avoir obtenu son CDI et qui du coup est finançable. Une fois qu'il est finançable, il va voir son conseiller, il lui donne son budget et en fonction du budget, après, voilà, on détermine des critères, mais le critère premier va être le financement et le budget qui permettra d'acheter tel ou tel bien. Selon vous, c'est toujours le moment d'investir alors ? C'est toujours le moment d'investir, tout à fait. Investir dans la pierre, que ce soit quand on est jeune, c'est un investissement à long terme. Même un peu plus tard, vaut mieux déjà avoir un bien plutôt que garder de l'argent sur un compte en banque. Donc, ça reste toujours intéressant d'investir. Bien sûr, il ne faut pas attendre le mauvais moment. Il y a toujours un autre moment qui viendra contrecarrer le projet. Donc, il faut se lancer. Olivia Martinez, Justimo, vous nous rappelez l'adresse ? Oui, 4 avenue Pierre Brossolette à Troyes. Et sur internet ? Alors www.justimo-imo.fr. Et peut-être un peu sur les réseaux sociaux ? Bien sûr, sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Voilà, vous savez tout. Merci. Merci beaucoup.